Bonjour, je m'appelle Madame Tony Mpoy, je suis diplômée en administration publique internationale avec plus de 5 ans d'expérience en gestion de projet et je suis la responsable du programme de subvention du programme MEC. Le programme de subvention du programme MEC a été conçu pour apporter un soutien financier à des organismes non gouvernementaux. C'est un processus qui se fait de manière concurrentielle. Il est basé sur un minimum de critères d'éligibilité des projets proposés, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à un certain nombre de critères minimums, soit des objectifs réalisables dans les délais du programme. Ils doivent être présentés par des organismes non gouvernementaux. Ils doivent aussi pouvoir démontrer un engagement significatif de partage de coûts de la part des bénéficiaires. Il y a plusieurs types aussi, une fois que les critères minimums sont établis. Il y a d'autres critères de sélection, la liste n'est pas exhaustive bien sûr, mais par exemple, ils doivent pouvoir démontrer un modèle reproductible dans la région, une activité clairement définie ou encore pouvoir démontrer des résultats spécifiques. Le processus d'évaluation est fait en comité qui est impartial et on juge chaque proposition par rapport à l'ensemble du groupe. À date, le programme a attribué un total de 24 subventions à la hauteur de 3,4 millions de dollars, 11 dans la région de l'Oriental pour un montant de 1,5 million de dollars, 8 dans la région de Dukala pour un montant d'1,1 million de dollars et 5 autres subventions dans des régions, non pas dans nos régions cibles de Dukala et de l'Oriental, mais pour des propositions de projets qui ont été accordés pour viser l'ensemble du territoire pour un montant de 730 000 dollars. Alors, il y a 4 types de subventions qu'on peut accorder. Une, ce sont les subventions à obligation fixe, qui est un mécanisme de subvention approprié pour les projets qui ont des objectifs très fixes et qui sont faciles à suivre et à gérer. Des subventions en nature, qui est à 80% le type de subvention que nous avons accordé, surtout pour des coopératives ou des associations. Des subventions standards pour des entreprises qui sont un peu plus expérimentées et qui ont des mécanismes financiers appropriés, où on accorde la subvention en termes d'avance. Et des subventions simplifiées, où le paiement est fait en termes de remboursement aux bénéficiaires. Alors pour illustrer, par exemple, en termes de subventions en nature, on a accordé à Colaïmo, qui est l'une des plus grandes coopératives laitières dans la région du Maroc oriental, une subvention en nature afin qu'ils puissent rendre plus opérationnels les centres de collecte avec lesquels ils travaillent et investir dans des projets d'économie d'eau. En termes de subventions standard, nous avons aussi attribué des subventions au projet du MOCAF de Berkane, justement pour l'intégration de la main-d'œuvre dans les nouvelles standards économiques internationales. Et enfin, en termes de subventions en obligation fixe, nous avons accordé une subvention à l'organisme non gouvernemental américain Endeavor pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité à grande échelle au Maroc. Le défi le plus important que nous avons eu à surmonter dans la gestion des subventions a été pour l'acquisition du matériel pour les subventions en nature. Il faut savoir qu'on a à peu près plus de 80% des subventions que nous avons accordées sont en nature à des coopératives ou des associations. Et donc, souvent, il faut savoir gérer non seulement les attentes des bénéficiaires, mais aussi les attentes des fournisseurs. Et ensuite aussi, les problèmes qui se posent, c'est quand on fait des subventions en cofinancement avec des autorités locales. Par exemple, pour la reconversion au goutte à goutte, en cofinancement avec le fonds d'investissement agricole, on a certaines contraintes que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc c'est là où l'importance d'un partenariat et d'une communication réelle vient en jeu pour réaliser avec succès les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut constamment pouvoir communiquer les échéances, les objectifs, les défis avec chaque acteur impliqué
pour assurer le bénéfice, pour assurer la réalisation favorable des objectifs, aussi bien des bénéficiaires directs qu'indirects. À travers le support financier et technique du programme MEC, les bénéficiaires ne reçoivent pas seulement une contribution financière dans la réalisation de leurs objectifs, mais un apport technique qui va au-delà justement des capacités qu'ils avaient avant le support apporté par le programme MEC. Je pense qu'un bel exemple de réussite pour l'une des subventions accordées, ce serait pour l'association Hadra, productrice de capres dans la région de Safi, avec lesquelles, grâce à la subvention du programme MEC, ont retenu l'attention de l'Agence de développement agricole et aujourd'hui ont signé avec l'une des plus grandes chaînes de supermarchés au Maroc pour un bon de commande de 8000 pots de capres, environ 2000 tonnes de capres traitées, qui seront maintenant vendues sur le marché local. Alors le bénéfice réel est que le programme MEC a su apporter à cette association une nouvelle connaissance technique et dans peu de temps ils recevront aussi du nouveau matériel de traite et de traitement et de conditionnement qui leur permettra justement de mettre de la valeur ajoutée à leur production et aussi d'augmenter le prix de vente de leurs produits par kilo d'à peu près 250%. Alors le soutien technique, il se voit là, est financier sur des exemples réels et concrets où les perspectives économiques et l'augmentation de revenus pour les bénéficiaires est réelle. Je pense que pour gérer de manière efficace un programme de subvention, il faut y intégrer l'approche genre. C'est-à-dire que tous les bénéficiaires doivent avoir un accès égal aux ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines, afin de promouvoir les objectifs principaux du projet. Il est aussi très important de pouvoir faire un suivi continu avec les bénéficiaires parce qu'il ne s'agit pas seulement de contribuer un apport financier et technique, mais il faut aussi augmenter la capacité de gestion et l'autonomie des associations ou des coopératives avec lesquelles on travaille. Donc pour résumer, l'intégration de l'approche genre, un appui continu et une augmentation des capacités des bénéficiaires.